Bonjour, c'est Normtalev, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft les amis. Et aujourd'hui les amis on se retrouve du coup pour une vidéo assez spéciale. Alors du coup les amis, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui on va tout simplement faire un ne choisissez pas le mauvais Donald Trump. Et comme vous pouvez le voir les amis, derrière moi nous avons donc trois géants Donald Trump. Donc on va voir ce qui ressemble à Donald Trump quoi. Donc du coup on a le Donald Trump tout à fait normal qui se situe juste ici. On a le Donald Trump bébé, donc du coup le Donald Trump qui est encore un petit peu enfant. Et pour finir les amis, nous avons le Donald Trump à 3h du matin, où là les amis il pourrait se passer des choses assez dangereuses. Mais du coup, juste avant qu'on commence la vidéo, je compte sur toi pour que tu t'abonnes à la chaîne. Donc dès maintenant, n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu et que tu t'abonnes. Aujourd'hui les amis, il y a seulement 3 personnes qui peuvent s'abonner. Donc dès maintenant, n'oublie pas d'essayer de t'abonner. Si tu arrives, bah, je te ferai une grosse dégâts dans la prochaine vidéo. Donc du coup, abonne-toi. Le défi d'aujourd'hui, c'est de s'abonner avec les yeux fermés. Donc si tu arrives, je te ferai une grosse dégâts. Voilà. Oula. Oula les amis, de la base du bébé il y a de la substance qui sort, enfin il y a du lait quoi. A mon avis il devait être en train de prendre son petit déj, donc c'est parti, on va aller monter là-haut. On va aller voir un petit peu bah comment le petit déj avance, du coup c'est parti. Ok bon excusez-moi, j'ai eu un petit bug mais là les amis normalement c'est bon. Donc c'est parti, tac, on va rentrer dans la base à bébé de la Trump 3, 2, 1, let's go. Et hop là du coup c'est bon. Coucou. Oh, what? Coucou Donald, ça va? Coucou. Oula, t'es sûr que tu vas bien Donald Trump? Ça va? Oui je vais bien. Wow, oh, t'as oui, une... toi t'as une de ses têtes. Ok, Donald Trump, du coup, qu'est-ce que tu fais ici? Bah là, j'aimerais que tu m'aides. Ah ouais, tu veux que je t'aide? Pour faire quoi? Explique-moi. Ouais. Tu vois les moutons? Bah, ouais. Tu dois prendre leur... Tu dois prendre leur laine. Ah, tu veux que je prenne la laine des moutons, en fait, avec c'est ça? La cisaille. Ah. Ok, bon, est-ce que tu aurais pas la cisaille par contre? Parce que, en fait, moi je vais pas te mentir que j'ai pas de cisaille. Elle est dans un coffre. Regarde, elle est dans un coffre. Oh, nickel, c'est bon, j'ai trouvé la cisaille. Bon, du coup, je prends la laine de tous les moutons. Et me gêne parce qu'ils font plein de bruit. Ok, bon, c'est parti les gars, du coup, on va prendre. Après, on va prendre... tu les tues. Après, tu ah les tues. Ouais, ah ouais, d'accord, attends. Toi, tu rigoles pas, toi, t'es violent. Ah ouais, les gars, bébé Donald Trump, il est vraiment violent. Il veut apparemment qu'en fait, je prenne. Mon papa, il sait parler un peu français. C'est pas. Ton papa il sait parler un peu français, mais alors pourquoi toi tu parles? Non, un peu français, mais pas trop français. Mais il sait parler beaucoup anglais. Bah oui, c'est normal, c'est sa langue. Mais moi je suis allé à l'école, donc maintenant j'ai bien parlé en français. Ah bon, attends, juste je vais tuer tous les moutons qui ont déjà été pelés, voilà, enfin qu'ils ont déjà été. Attends, par contre, ici il y en a quand même pas mal. Hein. On voit leur zizi vert. Oula, de quoi tu parles toi? De quoi tu parles? Bon du coup tac, on va prendre absolument tous les moutons. Ils sont à poil. Ah, horrible. Tac, voilà, bon là on a tué tous ces moutons là. Bon là il en reste encore. J'aime trop, je collectionne les têtes de creeper. Bon là il y en a quand même beaucoup à ce moment là. Ici là, là il y en a beaucoup. Bon, les amis, on va essayer de prendre tous ceux qu'il y a là parce que là il y en a quand même pas mal. Il va falloir que je prenne la laine de tous ces trucs de tous ces moutons là. Comme mon épée ultime sacrée. Tac. Comme mon épée sacrée. Voilà. Bon, du coup Donald. Oh attends, il en reste encore ici. Tac 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 tac. T'as vu ma collection? Ouais, t'as une belle collection de moutons aussi. Hein. Voilà. Bon bah nickel, du coup j'ai réussi à tuer toutes tes. Wouah. C'est quoi toutes ces têtes de creeper? T'as fait quoi avec toi? Bon, du coup bah. Tout le tour de la... Ah ouais, mais tu les tues où? Tu les tues où tes creepers pour en avoir autant? Là t'en as plein. Bah dehors. Dehors, ils sont dehors, tous dehors. On a plein. Ah ouais, t'en as de la chance. Hein. Bon, tu sais quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais te donner toutes tes laines que t'as récoltées et tu pourras faire bah, ce que tu veux avec, d'accord? Oui. À mon avis, tu vas faire un lit avec, je pense, non? Ah, il y a faire un grand lit. Je vais les vendre. Carrément. Papa, il va les vendre en Angleterre. Tu sais, ça se vend combien? Ça se vend combien, Ali? Vas-y, dis-moi. Ça se vend 23$. 23$? Ah ouais, tu vas être riche avec ça. Enfin, un lit, ça se vend exactement 40$. 40$? Et bah, c'est quoi? Bah, moi, ouais, j'espère que tu vendras beaucoup de lits, comme ça, tu pourras faire plaisir à ton papa. Et du coup, voilà, d'accord? J'ai un stack de laine blanche. Ouais, bah oui, t'as plein de trucs. Bon, du coup, ça te dirait que tu m'offres un petit cadeau avant que je parte de ta maison parce que j'ai envie d'avoir un petit cadeau aussi. Hein. Vas-y. Oui. C'est quoi le cadeau?
ça va être... Ça va être quoi? Je t'écoute, hein. Attends, parce que j'ai plein de trucs à mon inventaire. Vas-y, bah dis-moi ce que tu veux. Et Oh, une potion. Vision nocturne. De vision nocturne en plus. Ok, alors tac. Tu vois mon papa à 3h du matin. Ouais. Tu pourras voir la nuit. Et tiens, oh, aussi, trop bien. Trop délicat. Regardez où est-ce que je suis. Je me suis assis sur Donald Trump. pardon, désolé. Désolé. Regardez. Tiens, pour le combat. Donald Trump, coucou. Non, pardon. Ah, bah, t'es lourd. Assieds-toi sur moi pour voir. What? T'es sur moi là? Oui. What? Regardez les gars, il est là. Ça va? Oui. Allez, sors, à mon tour. Et hop là. Regarde, dis-moi bonjour, regarde. Est-ce que je suis pas trop lourd là? Attends, je vais péter. 1, 2, 3. Bon, allez, vas-y, je vais te laisser tranquille, bébé Donald Trump. Moi, je vais aller voir ton papa. Et du coup, bah, fais à plus, ok? Quand il y aura mon papa à 3h Pourquoi... du matin. Ok, il est méchant à 3h du matin? Il est super méchant. Ok, bah, ça marche. Vas-y, bah, à plus, Donald. Moi, je vais y aller, hein. À plus. Bon, voilà. Bon, franchement, les amis, dans la base de Donald Junior, c'était plutôt gentil. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que on se retrouve tout de suite dès qu'il y a plus le mode un petit peu avec les trucs de bébé. Moi, je vous dis à tout de suite. Hep, t'allais vraiment regarder la vidéo sans mettre mon code créateur dans la boutique Fortnite? Et bah tu sais quoi, mets-le dès maintenant en appuyant sur soutenir un créateur, twinner-du-bas-de-l'XR, tu mets accepter et tu pourras participer à un concours pour gagner des V-Bucks. Allez voilà, sur ce je te dis bon visionnage. Donc du coup les amis, on se retrouve maintenant pour la deuxième base les amis, la base de Donald Trump, tout à fait normal, donc le grand Donald Trump, le vieux Donald Trump que vous connaissez sûrement, le président des États-Unis quoi. Et donc du coup bah c'est parti, on va s'y rendre. Alors donc what? Les gars, je sais pas si vous entendez, mais je crois qu'il y a Donald Trump qui est en train de jouer à Fortnite. Donc à mon avis, il doit se faire plaisir là. Il doit bien kiffer sa petite vie, les amis Donald Trump. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller l'embêter. Parce que les amis Donald Trump, comme vous savez, il est pas très très gentil avec les gens. Donc du coup, c'est parti, on y va. 3, 2, 1, let's go. Oula, il parle d'argent là. Je sais pas qu'est-ce qu'il raconte. On va l'écouter. Ah, il parle de V-Buck, Oh, Oh bah tiens, je vais lui demander. Attends, on va lui parler en anglais. Hello Donald Trump, what is the creator code of you put? You put what code creator? On peut parler en français? Ah, tu parles français? Ouais. Mais moi je parle pas français, je parle que anglais. English. Ah ouais. Bah, quand je suis venu en France, j'ai totalement oublié l'anglais. Ah oui, d'accord. Donc quand t'es parti en France, en fait, t'as oublié totalement la langue anglaise. Ouais. Ah, maintenant tu parles uniquement le français. Yeah. Ok, bah moi je parle pas très bien français, mais vas-y, du coup, on va quand même. Je vais quand même te demander, t'as mis quel code créateur dans la boutique Fortnite? Twinner Dubois. Ah, voilà les amis, ça c'est un vrai abonné, les gars. Vous vous rendez compte que même Donald Trump, il a mis mon code créateur. Parce que les amis, comme je vous explique, en fait, si vous mettez mon code créateur dans la boutique Fortnite, vous pourrez tenter de participer à un concours pour gagner jusqu'à 1000 V-Bucks sur la boutique Fortnite, quoi. Donc si jamais vous voulez avoir plein de V-Bucks. Et ouais, ça fait plaisir, merci mon pote. Donc du coup voilà. Bon, du coup Donald Trump, je suis venu aujourd'hui ici pour venir t'aider, mais je sais pas du tout en quoi t'aurais besoin d'aide. Donc si tu veux m'expliquer un petit peu. J'ai besoin que tu m'apprennes à planer. À planer? Wouah, grave bien. Tu veux qu'on aille planer où du coup? On a qu'à faire une tour dehors. Une tour dehors? Bah vas-y, c'est parti, on va aller faire une tour dehors. Attends, du coup. Tu sais, mes Elytra, ils ont coûté 500€. Combien? 500€? Ouais, parce que on peut planer avec trop bien. Wouah, mais c'est super génial en fait. Bon, tu sais quoi, vas-y. Moi, je vais monter là-haut. Ok, bon, tu sais quoi, je vais m'occuper de te faire ta petite tour. Et après, toi, ce que tu vas faire, c'est que je vais te montrer comment on fait pour voler, d'accord? Ok, pour planer. Ah ouais, pardon, planer. C'est vrai qu'avec les ailes. C'est vrai que t'as des ailes, toi, qui sont plutôt pour planer et pas voler. Parce que moi, j'ai des connaissances qui savent même voler. Mais bon, nous, là, je vais pas t'apprendre à voler, mais juste à planer, d'accord? D'accord. Bon bah si les amis, Donald Trump. Pour l'instant,
Pour l'instant, je joue à Fortnite Vas-y, avec le en Captain attendant. Ah, voilà les amis, ça c'est un vrai abonné. Dès que vous vous rendez compte que les amis, même Donald Trump, il a mis mon code créateur dans la boutique Fortnite. Ça veut dire que c'est un vrai abonné. Donc si vous aussi vous voulez être des vrais abonnés, que je fasse une dédicace avant de faire une vidéo, mettez tous mon code créateur dans la boutique Fortnite si vous le mettez pas. Bon, je vous en voudrai pas tout de suite, mais par contre plus tard, bah c'est possible que je vous en veuille. Mais vous inquiétez pas, si vous le mettez pas, au moins abonnez-vous, et ça me ferait plaisir. N à Twitter. Ouais, Twitter avec un seul N. De toute façon, je le mettrai dans le code. Bon, du coup Donald sinon, Trump. Sinon, Donald Trump, 3h du matin, il va vous tuer. Oh, les gars. Donc, si vous voulez pas mourir par le Donald Trump à 3h du matin, il faut mettre mon code créateur. Et n'oubliez surtout pas, en fait, pour ceux qui l'avaient déjà mis, remettez-le parce qu'en fait, il s'enlève toutes les semaines. Donc, voilà, faut vraiment absolument le remettre. Toutes les semaines. Non, mais ouais, mais c'est mieux qu'il le mette encore toutes les semaines. Ça sera encore plus facile. On est sûr comme ça que tu vois que ça marche, quoi. Donc, toutes les semaines, remettez mon code créateur, c'est très important. Ok, bon, Donald Trump, tu viens tout là-haut, du coup, je t'attends, moi. J'arrive. Donc du coup, je vais lui montrer un petit peu comment on fait pour voler. Je vais lui expliquer les petites techniques et trucs comme ça. Pour pas tomber. Ouais, mais t'inquiète pas. Moi, je suis un connaisseur en la matière, quoi. Moi, c'est pas regarde, la première fois que je vole. Regarde, comment je monte super vite. Attends, on va regarder ça. Wow, les gars, regardez Donald Trump. Il est tellement fort, il monte les échelles. Je crois qu'il grimpe même pas les échelles. Carrément, lui, il saute. Ah ouais, t'es fort. Regarde, hein. Attends. Ah ouais, non, fais gaffe, t'es élytra. Regarde. Ouais, regarde. Je regarde. Normalement. Tac. Et super vite. Wow, les gars, vous vous rendez compte un petit peu comment le président Donald Trump, il est super fort, mais wow, mais qu'est-ce qu'il est musclé, cet homme. Bah oui, c'est normal, c'est mes agents secrets, ils m'ont appris ça. Ah, c'est les agents secrets qui t'apprennent des choses, c'est cool. Ouais. Bon, du coup, voilà, alors, du coup, tu vas mettre tes élytras sur toi, et en fait, ce que je vais faire, c'est que déjà, on va t'entraîner de pas trop haut, donc on va t'entraîner juste de là, donc surtout, fais bien gaffe à pas faire un gros saut, donc tiens, hop, je t'en mets juste ici comme ça, et maintenant, tu vas sauter juste par comme ça sur le sol, et tu vas essayer de planer, d'accord. Et normalement, tu vas atterrir un petit peu plus loin, je vais te faire un petit passage, voilà. Tu vas essayer d'atterrir vers là, d'accord? Allez, saute ici comme ça et tu fais ça. Tu déploies tes ailes, vas-y, go! Go, je sais que tu peux y arriver. What, qu'est-ce qu'il fait? Non, Donald Trump, mais non, mais je t'ai pas dit de commencer par là. J'ai presque. Non, mais oui, mais Donald Trump, je t'avais dit de commencer juste de ici là. Là, t'as fait le saut le plus dangereux de toute ta vie, carrément. Tu commences juste un saut tranquillou, voilà, comme ça, hop là. Et on voit déjà si ça marche, d'accord? Tiens, je vais te mettre aussi une barrière pour pas que tu tombes. Tu pourrais te faire mal sinon. Voilà. Allez, go. C'est parti, Donald Trump. Non, derrière. On va commencer tranquillement par là. Voilà. Allez, saute. Oula. Oups, ça va exprès, j'ai voulu. Ouais, j'ai vu ça. Oh, bah voilà, bah c'est pas mal, ça t'as réussi à ouvrir tes ailes. Bah tu sais quoi, je pense que tu es déjà prêt pour aller sauter de tout là-haut. Donc tu vas te mettre ici là, et après tu vas sauter et ouvrir ton parachute directement, d'accord? Okay. Allez, c'est parti, je compte sur toi Donald Trump, je veux que tu fasses un truc bien. Allez, c'est parti. Attention les gars. Olé. Ça y est les gars, Donald Trump s'est plané. Regardez-moi un petit peu à quel... Oh, mais voilà Donald Trump, tu vois que tu y arrives. Quand on veut, on peut, hein. Tu vois bien. Bon, du coup voilà les amis, ça fait plaisir. Je pense que j'ai... Bon, je pense que j'ai fait un heureux. Il a l'air d'être tout content, tout joyeux. On se retrouve maintenant directement pour le pour le Donald Trump à 3h du matin. Ça risque d'être un petit peu plus dangereux. Je vais casser directement toutes les petites constructions qu'on a fait. Et on se retrouve du coup à tout de suite. Ok, du coup les amis, on se retrouve maintenant pour la toute dernière base. Les amis, c'est tout simplement la base de Donald Trump à 3h du matin. Donc les amis, je voulais garder pour la fin. Et d'ailleurs il ne fait même pas nuit, donc du coup ça ne sert à rien. Je vais vous mettre directement la nuit. Voilà, là les amis, on est dans l'ambiance pour aller dans la base de Donald Trump à 3h du matin. J'espère que ça va pas être trop dangereux. J'espère qu'il va pas faire le foufou avec moi, parce que sinon ça risque d'être un petit peu, voilà quoi. Donc du coup dès maintenant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre ainsi un petit pouce bleu, et nous donc c'est parti. Tac, alors juste c'est quoi ce truc là, voilà. Donc du coup c'est parti, on va directement se rendre dans la base. Alors je vais lui dire bonjour. Bah à mon avis il doit être dans la base, c'est parti. Donc je vais rentrer, tac, let's go, 3, 2, 1, bah c'est parti, on va monter là-haut quoi. Tac, 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 on va redescendre par là et je vais dire bonjour si... Oh wow. Alors les gars, je sais pas si vous avez vu, mais les gars, je crois qu'il y a Donald Trump qui a la tête totalement cassée. Enfin, il a la tête totalement genre mode squelette, quoi. Oula, coucou Donald, ça va? Attends, je finis mon caca. Ah ouais, mais là, c'est dégueulasse, là, oh. Ah, mais t'as un crado, Donald Trump. Les gars, regardez comment c'est un crado, celui-là, il fait caca partout. Bon, Donald, je suis pas très heureux de voir... Je suis pas très heureux de voir que t'as fait un truc comme ça, toi. Hein. Je vais faire un slash clear, voilà. Bon, du coup, Donald, aujourd'hui, je suis venu là parce qu'apparemment... J'ai dit que t'étais un... J'ai dit que t'étais un trop beau. Pas un crado, mais un trop beau. Ah, ok. Ouais.
Bon, Vas-y, entre. du coup, c'est quoi ta petite mission d'aujourd'hui? Explique-moi, moi, je suis venu là pour t'aider. Hein? D'abord, mettez le code créateur. Ah ouais, mettez mon code créateur. Ouais, ouais, mettez le code créateur. Attendez 2 secondes, je reviens. Mais je comprends pas ce que tu me dis, Donald Trump. Tu me dis quoi? Hein? Quoi? Non, non, mais c'est bon, j'ai compris. Oh, c'est bon, vas-y. Non, plus sérieusement, Donald Trump, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis venu ici pour t'aider, moi. Ouais. J'ai envie, en fait, que tu tues tous les villageois à part les bébés. Tous les villageois à part les bébés. Wow, ouais. Mais t'es un malade. Ok, bon, c'est quoi? C'est parti, les amis. On va du coup passer à l'attaque. Donc, apparemment, les amis, comme vous avez entendu, Donald Trump veut que j'attaque absolument. Veut que je tue tous les villageois. Non, si tu ne veux pas. Je vais te tuer. Non, me tue pas. Bon, c'est quoi, je vais tous les tuer, donc okay, c'est parti. Tac. On va aller, bon, les amis, on va aller attaquer tous les villageois parce que sinon, comme vous avez entendu, Donald Trump va apparemment tenter de me tuer. Et ça, les amis, c'est pas une bonne nouvelle. J'ai pas envie qu'il me fasse ça quand même parce que moi je suis gentil avec lui et tout. Donc, du coup, c'est parti. Bah, hop, on passe à l'attaque. Toi, hop, toi. Et toi, nickel. Bon bah les amis, en tout cas l'étage du bas est réglé. On va passer maintenant à l'étage du haut qui risque d'être un petit peu plus compliqué. Et juste, j'ai une question, pourquoi tu veux pas que je tue le bébé? Bah parce que c'est mes enfants, les bébés. Ah, les bébés qu'il y a, c'est tes enfants? Oui. Bon, je vais faire gaffe alors, d'accord? Après les autres, ils veulent les adopter. Mais moi je leur dis non parce que c'est mes bébés. Ah d'accord, ok, je vois. Bon du coup voilà les amis, là je pense qu'on a presque fini tous les villageois. Ah ouais d'accord, donc c'est lui le bébé qui reste en fait. Ouais. Et bah normalement je pense que là c'est bon. Juste je vais mettre mon carca parce que là. Ah mais c'est horrible. Arthur. Tiens voilà. Bon du coup comme tu peux le voir, viens voir, regarde. J'ai laissé le seul enfant qui reste juste ici, donc si tu vas aller le voir, il est là, regarde, il est là. Coucou. Voilà donc. Amuse-toi bien avec lui, fais ce que t'as à faire et tout. Va faire ami avec lui, à moins qu'il parte d'ici. Attends, je vais t'aider à t'enfermer. Oula, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Bon, les gars, moi je vais enfermer Donald Trump. Oh, what? Je crois qu'il t'aime pas trop le bébé. Hein. Bébé là, c'est pas terrible. Hein. Non, mais tu m'as enfermé. C'est bon, tiens, vas-y, passe. Vas-y, va le voir. Va le voir. Attends, va le voir, il a un truc à te dire, va le voir. Vite. Okay. Il a un secret à te dire, vas-y, dépêche. Ok, on va l'enfermer, tac. Et voilà. Allez, vas-y, moi je te laisse tranquille avec ton bébé, ok? Non. Et je me dis voilà. Bon, du coup voilà les amis, comme vous pouvez voir, Donald Trump ne m'entend plus, c'est nickel. Donc voilà, on n'est plus que moi et vous les abonnés. Donc dès maintenant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important, ça m'aiderait beaucoup pour m'aider à avancer en abonnés. N'hésitez pas aussi à mettre la petite cloche et à surtout très important, mettre mon code créateur dans la boutique Fortnite, c'est totalement gratuit et puis vous pourrez participer à un grand concours que j'organise sur la chaîne. Je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Regardez bien la vidéo qui sort demain et sur ce moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao. Hep, t'allais vraiment regarder la vidéo sans mettre mon code créateur dans la boutique Fortnite? Et bah tu sais quoi, mets-le dès maintenant en appuyant sur soutenir un créateur, twinner-du-bas-de-l'XR, tu mets accepter et tu pourras participer à un concours pour gagner des V-Bucks. Allez voilà, sur ce je te dis bon visionnage.